Salut tout le monde, c'est Hérétique, bienvenue dans cet épisode 10 de ma série sur Space Engineer. Donc aujourd'hui, petit changement, vous en faites pas, ce n'est pas ma base d'habitude. Pour ceux qui ont suivi mes deux tutos, vous reconnaîtrez ma partie créative sur mes tutos. Donc, j'ai changé de partie pour le moment suite à, entre guillemets, une demande d'une abonnée. Donc Zara, si tu te reconnais, bonjour à toi. Qui m'a dit, grosso modo, de créer un vaisseau par moi-même. Car je voulais quitter la Terre et je voulais récupérer un vaisseau orc que j'avais piraté. Donc ben, j'ai suivi tes conseils, je vais créer carrément, non pas un vaisseau, mais ce sera la base complète qui partira. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer. Donc j'ai repris ma partie en créatif, pour déjà la créer en créatif, hein, pas me taper des heures et des heures de construction pour rien. Donc j'ai déjà commencé, la structure est là-haut. Voilà. Donc voilà le début de la structure de la base. Donc ici vous avez les propulseurs atmosphériques sur le dessous. Ici vous avez les propulseurs à hydrogène avec deux tanks à hydrogène par côté. Donc 4. Oui, on va y aller. Donc 4 propulseurs, 4 tanks à hydrogène, sachant que je compte faire 4 bras. Donc il me reste encore les 3 ici à faire. J'ai repris l'exemple un peu de la cité d'Atlantis. Bien que je suis pas un modélisateur professionnel, j'ai repris un peu le concept. Niveau forme, ça devrait ressembler un peu. Donc on verra ce que ça donne à la fin. Honnêtement, je pars à l'aveuglette. Hein. Je sais déjà même pas si ça volera. Ça, je verrai ça quand ce sera fini. Je vais peut-être aller me recharger tout de suite. Donc mon but, c'est déjà de le fabriquer en... Enfin, de fabriquer la base en créatif. Si j'arrive à décoller et tout... je le transformerai en blueprint et je le fabriquerai ce coup-ci en survie dans ma partie normale. Hop. Voilà. Donc, voilà le boulot que j'ai à faire. Alors, sachant que pour le moment, j'ai de la propulsion à hydrogène atmosphérique, sauf que j'ai encore pas prévu la place pour les ioniques, donc on verra si je me sers des ioniques ou pas. Je verrai bien suivant la structure que je ferai plus haut s'il y a de la place pour les mettre. Autrement, bah on se déplacera à l'hydrogène, hein. Je pense qu'avec 4, 16 tanks à hydrogène, je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Donc, voilà, voilà. Donc, on reprend. Je vais essayer de faire au moins symétrique. Hein. Donc ici, j'ai coupé et j'ai remis un cran, ok. Comme je le disais, je suis pas un modélisateur professionnel, hein, loin de là. Hein. Mais je disais que c'était pas mal de faire un design de la cité d'Atlantis, par exemple. Donc ici, j'ai pris 1, 2, 3.
3. Alors c'est pas évident de repartir. C'était celui-là. Il me semble que j'avais fait comme ça pour l'autre côté. Symétrique ça. Ah oui, mais je l'ai modifié après. Donc en fait, 1, 2, 4. Viens là, toi. Ça. Normalement, 1, 2, 3, 4, ici on est bon. Ça ressemble pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? D'accord. Me semblait que j'avais viré la météo. Hop, on verra ça après. Bah, c'est tout, on va partir comme ça. Donc ici, 1, 2, 3. Là, il y a un trou, là, il y a un trou. Là, on en est là. Je crois que je vais faire tous les autres en même temps parce qu'autrement, ce sera jamais symétrique. Tu vois?
Critical. Alors pour info, il y a trois étages, quatre étages là. Le dedans, c'est en, on va dire en nid d'abeille. Je l'ai pas fait plein pour économiser un peu de poids. Donc en gros, vous avez juste les propulseurs, quelques blocs pour soutenir l'étage du dessus, et basta. C'est pas plein. Parce que je sais que le moindre bloc compte quand c'est des grosses structures, donc j'ai fait exprès en gros sans nid d'abeille, quoi, on va dire en dedans. Et merde. Propulseur, propulseur. Alors pour ceux qui trouvent bizarre que le son est un peu plus étouffé que d'habitude, ça vient du fait que il me semble que j'avais réglé cette partie-là avec le son réaliste. Vu que normalement le son est dépend de l'endroit où on est, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus étouffé que d'habitude. Là, là on est là. Donc cette partie-là, elle est faite. C'est pas là que j'aurais dû la mettre, celle-là. Et à partir d'ici, non, c'est même pas là. J'en ai une de retard, c'est là. Et attends. À partir d'ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on part à 3 normalement. 3. Donc ici, c'est ça, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Au quatrième.
ça m'a pas l'air trop mal. Ah, j'ai oublié ça. Le mode créatif peut être bien des fois. Bon, je peux déjà mettre les coins, ce sera déjà ça de fait. Je me souviens plus si... Voilà la chasse au... Nickel. Perdu. Gagné. Donc il y en a un là. Voilà. Donc il y en a un, trois.
Si je parle le micro coupé, ça ne va pas aller. Donc je disais, je relis tous les conteneurs à hydrogène et tout ça. C'est pour avoir des voies de secours en cas qu'il y a des convoyeurs qui sont coupés. Sait jamais ce qui peut arriver dans l'espace. Surtout avec les orques. Ça coûte rien de rajouter des convoyeurs. Voilà. Et ici, justement, j'avais mis que des convoyeurs. Normalement, ça tombe pile. Voilà. Impeccable. Micro coupé, vous avez raloupé, hein, mis à part 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est tout ce que vous avez loupé. Par contre. Bon, je vais pas en dessous. Celui qui dépasse. On verra après. Il me semble. Si, de toute façon, je suis le pourtour, si c'est ça. Ici, convoyeur. Comme ça, tout est à peu près alimenté en permanence. Oh, quand je vois ça, je me dis que je vais galérer en survie. Enfin, bref. Ah, va falloir miner en survie. Et éclater de l'orque pour récupérer des composants parce que. Quand je vois les propulseurs qu'il va falloir. Après, il me semble que j'avais fait ça. Ça tombe bien.
Donc ici j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû aller plus loin. Maintenant, ah ben voilà, ça ressemble déjà un peu mieux. Par contre, on va pas oublier. Voilà. C'est toujours des dérivations pour l'hydrogène. Heureusement que je l'ai pas complètement déglingué. Donc je sais qu'il y a pas mal d'espace libre hein, entre les différents composants. Mais comme je vous l'ai dit, à ce tarif-là, si je remplis vraiment tous les vides, ça va faire un poids énorme. C'est pas trop l'intérêt. Moins il y a de blocs, moins ça pèsera. Parce que je crois que ça va déjà peser pas mal lourd rien que pour les propulseurs. Sachant que je vais avoir la même chose de l'autre côté. Alors ici, c'est fini. Chaque fois j'oublie qu'il y a ça en créatif. J'oublie de m'en servir à chaque fois. Alors normalement ça là. Pourtant ça aide beaucoup, hein. J'ai un propulseur qui a sauté, ok.
ferme ici. Hop là. Non, j'ai encore pas eu de pluie météorite. Meteor storm inbound. Ah, je me disais aussi. Alors, t'es gentil, tu casses pas le vaisseau? T'es où? Attends que j'y suis, je vais remettre les convoyeurs ici. Voilà. Là, il dit en approche, mais il n'y en a eu. Enfin bref. Ici. Voilà. C'est ce que j'avais fait, il me semble. Ok, ça c'est bon. J'avais refermé. Voilà. Est-ce que j'avais fait pareil de l'autre côté d'ailleurs? L'autre côté fait pareil. Donc. Cette partie là je l'avais faite comment? Donc là je vais garder la
Ok, ça tient seulement avec ceux-là. Entre les deux, c'est ça. On va essayer, on verra bien. Ça a l'air d'être ça. Je vais commencer par les côtés, hein. Ça, là. Ensuite, ça. Ici. Alors ici, est-ce que j'ai... Ah, j'avais bien mis un... Ah, mais j'avais peut-être pas relié les deux ici. C'est peut-être ça. J'avais pas relié les deux ici. Aïe! C'est pour ça. Par contre, je l'ai peut-être fait un peu haut. Mieux. Alors, 4. Ici, là. L'autre côté. Ça. Ça va dégager, ça va dégager, 5, un bout là, un bout là, ça ici.
bah, je crois que le deuxième est pas mal. Ça a l'air symétrique. Non, c'est bon, il n'y en a qu'un. Vu d'au-dessus. Ça va. C'est symétrique ici, c'est bon. Fuel critical. Bon, bah écoutez, ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on a fait un côté. On va pas aller plus loin pour un épisode. Au moins, vous avez vu comment j'ai monté un côté. Hein. Cette partie-là sert ni plus ni moins qu'un. Enfin, à la base, j'étais parti sur un hexagone. Un hexagone qui s'est fini, bah, du coup, en carré maintenant. donc, c'est un carré avec 3, 4. 12 propulseurs atmosphériques. Bon, je sais pas si si j'arriverai à faire lever la structure, mais on verra bien. Pour la descente, je sais pas comment je vais faire. De toute façon, généralement, la descente, y a pas trop de problèmes. C'est plus la montée qui gêne. Donc, en attendant, bah, moi, je vais terminer au moins la structure en off. Je vous ferai peut-être une vidéo quand je serai un peu plus avancé sur la base en elle-même. Et Bazara, j'espère que c'est ce que tu pensais quand tu m'as dit de me creuser les méninges pour construire. J'espère que ça te suffira. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye!